La France vient d'être humiliée sur le sol africain. L'ambassadeur de France en République démocratique du Congo a été copieusement chassé du palais du peuple de Kinshasa. Il a voulu participer de force et sans être invité à une rencontre citoyenne entre le président Félix Tshisekedi Tshilombo et la jeunesse congolaise. Une attitude néocolonialiste, impérialiste, qui a suscité l'indignation de la société civile, qui, aussitôt, a demandé à l'ambassadeur français de quitter les lieux. Badima. Bangonso Badima, Bakende pendant Bakende. Bakende toi la tina la bango te Bakende. Badima, baza libanda. Abima, Badima, bango so Badima. Baza libanda. La France qui a pratiqué la traite de l'homme noir et l'exploitation massive des ressources naturelles du continent africain se heurte à présent à un mur. Les Africains ont bien compris la duplicité de la politique hypocrite et criminelle de la France sur le sol, sur leur sol, et ce depuis des siècles. Les Africains entendent mettre un terme à cette ingérence étouffante de l'Occident dans les affaires internes du continent. La France, qui considère l'Afrique comme une zone d'influence, ne voit pas le vent tourner. Imaginez-vous un seul instant qu'un ambassadeur africain tente de s'introduire au sein de l'Assemblée nationale française sans être invité, alors que Macron discute avec la jeunesse française. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et merci à toutes les personnes de partager. Et abonnez-vous.